je dis certainement. Ouais, le saut, c'est comme les trucs, l'épée sur l'épaule. Épée, épaule. C'est pas grave. Pardon. Ouais, mais... Donc c'est un mode encore. Qui change les positions, par exemple. Qui va là? Ah, merde. Je vous montre après. Il va m'attaquer, vous reculez. Vous êtes où? Voilà. Donc oui, ça change la position du sneak. Elle est bien bossée. Bon, là j'ai le bras dans la neige, ça fait un peu con, je l'avoue. Voilà. Enfin, ça fait bien plus caché que le vrai. Qui va? J'avais bien entendu. Putain, mais tu vas attaquer de toutes parts. C'est quoi ce super? Je comptais faire quête par quête, enfin quête par épisode, une quête par épisode, je sais pas. Bon, ça dépendra de la quête aussi. Enfin voilà. Genre, il y a un cerf qui est mort. Puis quand on voit des cerfs morts, vous avez entendu, il y a la musique en plus. C'est mis là-dedans. Je vais recharger. Ah merde, je me suis foiré. Je vais recharger. Sauvegarde rapide. Chargement rapide. Ah voilà. Et sans culé qui m'a tué plus de fois que permis. Il avait que 4 heures.
Riley. Et l'autre est croisé au bras. Je suis en train de brûler. Eh, t'es en train de brûler. Faudrait peut-être que tu te bouges un peu. T'évites de brûler. Non, je reste les bras croisés. Je suis pas content. Je fais la grève. Oh putain. Ah, un troll lol. Vous allez entendre. Avant que t'étais un troll, et tu t'es pris un snono dans le genou. Donc ouais, le troll lol comme j'avais dit, c'est... Enfin je sais pas si vous avez entendu la musique, mais enfin voilà, il y a la musique, le mec qui chante troll lol avec le masque, le troll lol, justement. C'était juste pour le fun que j'avais fait ça. Je crois que je vais le désinstaller parce qu'il fait, il fait encore plus flipper maintenant qu'avant le troll. Attention. D'ailleurs j'avais trouvé un mode, je sais pas si je l'ai installé, qui permet d'apprendre le Tsuum à ses compagnons. Honnêtement le corps est terrible, je l'utilise. Oh non, j'ai encore le bug. Ah non c'est bon. Et voilà, la réapparition, la réincarnation. Ouais, ils sont bizarres, ils ont les cheveux par contre. Oh non, je vais me les geler. Quoi? Encore? C'est pas possible. Pas moyen d'être tranquille. Oui, bon, qui va là? Ah. Ok, je les ai fait. Ah ouais putain. La gueule. Voilà. Oh c'était facile. Qu'est-ce qu'il a mis? Un type de défense magique. Ça t'apprendra. Ordre des discussions. Quoi? Ellen Wayne, tu vas mourir. Aussitôt que j'aurai trouvé un mode pour te tuer. Okay.
enculé. Elle l'a fait revivre. Oh non, je l'ai gelé. Oui, excusez-moi. Ça c'est... Comment ça s'appelle? Le mode grand froid, qui rend bien plus réaliste les trucs. Sauf que là je vais me les geler, c'est-à-dire que je vais avoir zéro encrochetage et tout. C'est génial. Ça paraît quand même assez logique. Je vais éviter d'aller à l'eau quand même. Parce que tu peux mourir d'hypothermie dans l'eau. Ça fait votre vue commence à se brouiller, puis là, bim, c'est mort. C'est là, ta gueule, juste au nord. Laissez un bateau dans le coin, pour la traverser. Mais renard. Punaise, c'est trop tôt, le nombre de combats. Moi qui croyais que ça allait être chiant de faire tout sur route. Finalement, moi je me suis bien amusé. Donc je vous fais apparaître la cinématique. J'ai. Enfin la cinématique, c'est vrai, il n'y a pas de cinématique sur Skyrim. Je vous laisse ça. Ensuite je sors du château. Je quitterai sur ce point. Bon, vous verrez, je vous dirai. Je suis toujours en aspect draconique. On ne veut pas de... Et j'ai oublié de sauvegarder. Bon, c'est pas grave. Bon, c'est Renard, ramène ton cul ici. Et forcément, elle va pas être avec moi. Putain, c'est pas possible. Allez, ramène-toi. Et au fait, ouais. Avant d'entrer... Qu'y a-t-il encore? Rien, ne vous inquiétez pas. Vous n'aurez plus besoin de me protéger une fois à l'intérieur. Qu'est-ce que tu me fais chier? Donc ouais, là, c'est stylé l'aspect draconique. Moi, j'avais pensé qu'on deviendrait vraiment un dragon, mais non. Bah, c'est bien comme ça, franchement. Stylé. Les cornes et tout. C'est métal, comme dirait Bob Lennon, justement. Genre, attends, il a ouvert la grille alors qu'elle était même pas là. À ce qu'on dit... Dame Serana a disparu depuis bien longtemps. Pardon, je sais pas si ça a fait fort dans le micro, mais je viens juste d'ébailler, c'est pour ça. Enfin bon. Le vieux qui ouvre sans même l'avoir, et dès que je me ramène, si jamais je lui ai pas parlé avant, il va pas m'ouvrir. C'est un devin ou... De toute façon, c'est juste des devins de Skyrim. Tu peux tuer un mec... Par exemple, si vous tuez quelqu'un dans la châtellerie de Perfine sur une route, s'il y a personne, vous ramenez à Vendôme, le garde. Attendez, je vous connais. Donc oui, le attendez, je vous connais, c'est quand vous avez réussi à fuir le combat. Alors que vous avez commis un crime, en général, ça va... Si vous avez fait un vol, ou si vous avez blessé quelqu'un, après c'est... Bon, en même temps, c'est 40 ou 5 pièces d'or. C'est pas énorme. Mais là, quand vous tuez quelqu'un, c'est 1000. Donc ça paraît normal qu'ils veulent vous exécuter. Attends, il est glauque le château, j'avais oublié ça. La vie est meilleure ici que n'importe où. Comment osez-vous poser le pied ici? Ah, un enfant. Attendez. Ah non, j'ai encore... Serana? C'est bien vous? Je n'en crois pas mes yeux. Oula, le bœuf. Eh, tonnerre. Seigneur, écoutez tous. Je vois encore plus de perso. Je sais pas c'est quoi ce bug. Seigneur, écoutez tous. Serana est de retour. Excusez-moi. Je n'arrive pas à y croire.
L'autre, il apparaît et disparaît par intermittence. C'est énorme. Ma fille est enfin revenue. Tu as sans doute mon parchemin des anciens. Après toutes ces années, c'est la première chose que tu me demandes. Oui, j'ai bien le parchemin. Je n'ai pas l'habitude de discuter avec les parchemins. De te revoir, ma fille. Est-il vraiment nécessaire de le mentionner? Ah, si ta traîtresse de mère était ici, je l'aurais autorisée à assister à cette réunion avant de planter sa tête sur une pique. Dis-moi, qui est cet étranger que tu as conduit jusqu'ici? Son mari. Non, je déconne. Voici mon sauveur. C'est lui qui m'a libérée. Vous avez ma gratitude pour m'avoir ramené ma fille. Dites-moi, quel est votre nom? Je suis Nono. Qui êtes-vous? Je suis Archon, le seigneur de cette cour. Ma fille vous a sûrement déjà révélé notre véritable nature. Je me moque de ce que vous êtes. Vous avez peut-être tort. Je compte parmi les membres de ma cour certains des vampires les plus anciens et les plus puissants de Bordeciel. Nous avons vécu ici pendant des siècles à l'égard de tout. Mais notre paix a été troublée lorsque ma femme m'a trahi et m'a volé tout ce que j'avais de plus précieux. Vous m'avez rendu... Je ne peux offrir qu'un seul cadeau dont la valeur soit égale à celle du parchemin des anciens et de ma fille. Je vous offre mon sang. Acceptez. Et vous serez un lion parmi les agneaux. Les hommes trembleront à votre approche, et vous ne craindrez plus jamais la mort. Et si je refuse votre cadeau? Alors vous resterez une proie, comme tous les mortels. Exceptionnellement, j'épargnerai votre vie, mais je vous bannirai de ce bastion. Peut-être dois-je vous convaincre. Contemplez ma puissance! Mec, on dirait qu'il est en train de gerber. Aïe, j'ai bu un peu trop tard. Oh, voici le pouvoir que je vous offre. Faites votre choix. Je ne vais pas devenir un vampire. De toute façon, je vous l'avais dit, je ne vais jamais devenir un vampire. Tu es une proie, comme tous les mortels. Je te bannis. Voir où on atterrit. Je vais finir ma quête parce qu'elle est pas tout à fait finie et je finirai cette session là-dessus. Cette session, cette vidéo. Excusez-moi, j'ai encore baillé. Ah ok, il m'a fait réparer là. Et c'est où que je dois aller? Par là, il sera là. Ok, bah on y go. Let's go. D'accord, ils sont tout à fait à l'opposé de la carte. Ah merde, je peux pas aller aussi loin. On va le faire en deux. Non, excusez-moi. Ah oui, les arbalètes. Avant que quelqu'un demande « Ouais, hey, est-ce que tu pourrais utiliser des arbalètes? C'est trop la classe. » Non, c'est pourri. Hein. Le mode de visée est tout pourri. Vous rechargez... Vous voyez, dans Black dans n'importe quel Call of Duty ou n'importe quel autre jeu qui utilise un fusil à pompe, le mec prend 3 plombes à recharger. Et bah là c'est pareil, sauf que c'est à chaque flèche pareil. En plus c'est un truc spécial, vous pouvez pas utiliser les flèches que vous avez déjà. En gros c'est peut-être plus puissant. Il y a peut-être des gens qui aiment ça, mais moi je n'aime pas ça du tout. Je trouve ça nul.
Donc je vais rester avec mon arc. Et il faudrait que je m'en forge un. Celui-ci, il en trouve vraiment plus stylé. Et voilà. Ce sera tout. Des héros en tout genre. Recherche les objets des draps. Ça dit d'un passant. Ah oui. J'ai peut-être ça en forge, mais je ferai jamais de truc des draps. C'est trop moche. Ça, en plus, ça colle pas du tout avec le thème Skyrim. Skyrim, c'est médiéval et tout. Et au final... Ouais, y'a des grillons. Quoi? Pourquoi je peux pas y aller? Putain, ça m'a fait flipper ce truc. Les herbales utilisées par la carte de l'eau sont un projectile redoutable, mais sont loin à recharger. Comme je le disais avant. Au final, à recharger, on gagnait plus de temps à tirer à l'arc qu'avec une arbalète. Et ça change du domaine Almeride et aux elfes. Aux elfes, pardon. Sont connus sous le nom de Talmor. Ils possèdent une ambassade en bord de ciel et emprisonnent secrètement tout Nordique remettant en cause les doctrines et croyances. Les ennemis n'apparaissent pas sous la même forme que les ennemis. Lorsque vous lancez une détection de vivant ou d'exception des morts. Donc là, il parle du cri... je crois qu'il y a un sort, mais il parle du cri Lars. Ah non, quoi que Lars, c'est toujours pareil. On travaille par une merde de poudre. Le mec, il vient de survivre à une attaque de vampires. Il vient de battre un spéléo en plus. Un mec pourri qui a fait que nous, qui m'a buté sans voir, je me suis tué. Et il n'arrive pas à passer 3 cailloux. Remboursé, remboursé. Ah. Ah. Ouais, je finis la quête. Et... Je voulais déjà dire ça, pourquoi ça, mais c'est pas grave. N'auriez jamais dû dans les là, plus si je l'accepte pas les. Ah, mon cha-cha-cha. Qu'il nous trouverait tôt ou tard. Voilà ce qui se passe quand on rep... J'aurais dû m'en douter. C'est hyper pessimiste. Bon, allez-y, dites-moi ce que vous savez. Une femme piégée là-dedans? Ça n'a aucun sens. Qui est-ce? Et où est-elle? C'est elle, alors je l'ai arrêtée à son château. C'est bien beau, mais ça n'explique pas grand-chose. Pardon? Et vous ne les avez pas arrêtés? Vous n'avez pas récupéré le parchemin? Je vois. Donc, par les divins, ça pourrait difficilement être pire. Nous sommes complètement dépassés. Avec ta coiffure et tout, c'est vraiment du se dépasser. Nous devons faire quelque chose. Je sais, merci. Ça, c'est je suis vieux. Mais pas encore sénile. Nous allons avoir besoin d'aide. Je les ai peut-être sous-estimés s'ils osent venir jusqu'ici pour nous attaquer. J'ai des hommes compétents, mais... Je me suis créé différents contacts au fil des années. Nous allons avoir besoin de leurs talents pour surmonter cette crise. Trouvez-les, et nous aurons peut-être une chance de survivre. Vous allez droit au but. Inutile de... Sorin Jurard devrait nous être utile. C'est une bretonne aussi intelligente qu'habile de ses mains. Elle se fascine pour les Dwemer, leurs armes en particulier. Aux dernières nouvelles, elle explorait la crevasse dans l'espoir d'y découvrir de vastes ruines naines. Probablement, mais il va falloir la convaincre. Vous allez aussi devoir trouver Gunmar. Cette grosse brute de Nordique déteste les vampires presque autant que moi.
Il s'est mis en tête que son expérience avec les animaux pourrait être un atout. Avec les trolls, surtout, d'après ce qu'on m'a dit. Aux dernières nouvelles, il parcourait bord de ciel en quête d'autres bêtes à dompter. Ramenez-les ici tous les deux, et nous pourrons enfin concevoir un plan. Vous avez le niveau pour en apprendre davantage. Je vais vous montrer ce que je sais. Ouvrez bien les yeux. Trouvez Sorin et Gun. Je le sais. Là, on voit mes essais. Ils sont rasés et tout. Et j'ai un bug de la main. Trouvez Sorin et Gun. T'es con. D'ouvrez-vous. D'ouvrez-vous. Ça t'arrive de réfléchir. Trouvez Sorin et Gunmar. Et nous pourrons peut-être redresser la situation. Ouais, puis... Et j'ai combien de chances de l'ouvrir? Ouvrez-vous. Trouvez. Okay. Écoutez, je vais essayer d'être. Sorin et Gun. Peut-être que j'ai un peu plus de chance. Mais forcément, j'en ai pas. Bon, bah tant pis. Il aura mon argent. Et nous pourrons peut-être redresser la situation. Donc, c'est la fin de cette session, Skyrim. Je vous laisse là-dessus sur. Ça me sert de... Des deux, je fais en playthrough et en même temps je vous présente des modes. Donc c'est une mode pour crémationner. Parce que je parle très bien la France. Cremate Dead. Donc ça on le trouve sur le Skyrim Nexus mode. Et voilà globalement ce que c'est fait. Anne connaît les points faibles de ces monstres. Cela fait longtemps qu'il se prépare pour cette attaque. Voilà. Donc, c'est...